On souffle toujours, on respire bien et on souffle. Et on tient. Voilà, on repose doucement. On se relève doucement et on vient étirer le dos et le bas de la colonne. Voilà. Alors, ensuite on va passer à l'avant-dernier exercice. On va faire des pompes. Alors, pour celles qui savent faire des pompes, des vraies pompes, elles le font en position normale. Moi, je vais faire des pompes sur les genoux. Donc, on est parti pour 10 pompes. Donc, alors, je ne vais pas voir ça. En fait, c'est le bassin qui va avancer. D'accord ? On est parti. Allez. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8, 9 et 10. On se relève, on prend le temps. Voilà. Et on va passer au dernier exercice, l'exercice de la chaise. On enlève le tapis, on n'en a plus besoin. Et on trouve un mur dans la maison, c'est pas compliqué. Et on va s'asseoir comme si on était sur une chaise. Sauf qu'on va être contre le mur. Alors, les pieds sont au niveau de la largeur du bassin, parallèles. Et on essaye de se mettre bien assis, comme ça. Là, on fait travailler les cuisses. Et voilà. Donc là, on va tenir 30 secondes. Si c'est trop dur, vous mettez les mains sur les cuisses. Donc, on est parti pour 30 secondes. Et c'est pareil. On pense à des choses positives. On pense qu'on fait du sport et que tout va bien. Et on garde, ça commence, si ça commence à chauffer, c'est normal. Après toute cette série d'exercices, on reste bien concentré, on tient et on est content d'être là. Voilà. Hop, allez, encore 10 secondes. Et voilà le petit circuit training qui va prendre fin. Donc attention quand vous vous relevez. Faites attention, vous vous relevez tout doucement. Et voilà. Voilà, donc ça c'était un circuit training à faire, si vous voulez, entre 2 et 4 fois. Vous mettez à peu près 20 secondes entre chaque exercice et 2 minutes entre la série, entre les séries si vous en faites plusieurs. J'espère que ça vous a plu. Le club de l'ultramarin a été vraiment heureux de participer. À garder votre forme pendant cette période de confinement et on vous dit à très bientôt à l'extérieur. Prenez soin de vous, gardez le moral et restez positif. À bientôt.